Frère Maxime, tout petit Mario, bonjour. Non, mais ce que nous avons cité là, c'est non pas un défenseur de recommander la messe pour le mois d'octobre. Mais ce que pour Amarantui, mon désir, Anastasie et Roussel, Jean-Louis, Angélique, Jasmine Codio, Christine, Chérubin et Jean-Michel, Claude Antoine Chol, défunt des familles Guillaume et Jean-Louis, docteur Joseph Pierre-Antoine, docteur Ciel Saint-Gérard, Edimon Louis, Evans Volsi, Georges Grégory Prosper, Germaine Lédor, Jocelyne Coville, Juliana M. Modésir, Laurent Siverin, Le Roi Chérubin, les âmes du purgatoire recommandées par Madeleine Noël, les âmes du purgatoire recommandées par Frédéric Simon, les âmes du purgatoire recommandées par Marie-Antonine Gustave, les âmes du purgatoire recommandées par Lucienne Tassi, les âmes du purgatoire recommandées par Mona Valentin, les âmes du purgatoire recommandées par Kamel Bruno, les âmes du purgatoire recommandées par Yveline Pierre, mes recueillants pour Louisiane Desrameaux, Marie-Anne Simone Bayol, Marie-Berthe Alfred, Marie-Édith La Guerre, Marie-Huguette Tanis, Marie-Rosanna Raymond, Marie-Yudeline André-Sylvestre, Martine Larose, Mélanie Jouissance, Monsieur et Madame Nectar Panfil. Mes recueillants pour Néanland Germain, Roland Elie, Rose Gertulia Ulrich, Vaina Valcourt, Vanette et Lucie Vital, les âmes du purgatoire recommandées par Jeanne-Carole Marcelin, Marie-Claudette Raymond, mes recueillants pour Jeannette Isidore, Émile Guillaume, Marie-Anne Yolande Narcy, Sauveur Wilson, Méline Grandpierre, Jean-Joseph Maurice Toussaint, Jean-Anneau Cadet, Marie-Édith Laguerre, Wilton Jelin, Madame Leduc Gabriel, Jean-Roger Augustin, Marie-Laetitia Ludo. Mes actions de grâce commandées par Adeline Florinor, Adrien Herman, Agence Pointant, Agnès Cherazer Joss, Agnès Ketura et Sarah Kirsty Marius, Agnès Léon, Aimé Audrey Lourdes, Étienne, Ali Hippolyte et Conrad John, Ali Chachal, Alma Vertil, Anastasia Dufant, Anne-Sophie Cherazer, Anne-Sophie Janvier, Anthony Roux, Joël Elibert, Apolline Lauture, Arabella Adin et famille, Harold Massien, Astrid Baptiste Christelle Saint-Louis, Barbara Sidney et famille, Béatrice et Naomi Carré, Betty Fenestor, Action de grâce à Notre-Dame de l'Immaculée Conception, Carl-André Gattereau, Carl-Frédéric Stéphanie Alec et Talia du Châtelier, Carl-Frédéric Janvier, Carl Ivonski Cherazer, Carline Elie Bienné, Carole Péchina et Ron Vargas, Carvin Scholl, Casignon Scholl, Cécile Floriana, Emmanuel Montfleury et famille, Cécile Jasmine Fleurmont et famille, Christelle Samedi. Mes actions de grâce commandées par Christian Delis, Davidson Delis, Christine Medina, Saint-Bert Natasney, Claude Moraille et famille, Claudette Lubin et famille, Clairezine Corio, Larius, Clubert et Jules Henri Delouche, Coralie Services, Daniel Micheli et Michael-Ange Hyacinthe, Dave Patrick Junior Antoine, Zali Basile et Jean-Esmi Pierre-Louis, Jim-Marie Chirazer, Jolie Cijot, Docteur Marie-Claude et Jean Larèche, Docteur Winnie E. Robin, Docteur Myriam Sternin, Jean-Paul Pierre, Sidney Esmoin Robin, Trinity Robin, Vladimir P. Robin, Dimitri Brian Robin, André V. Robin, Carl Henri Boulos, Sidney Bonne, Fabrice Jolin, Lise Marie-Pierre, Ricky Rob Lucas, Nicole E. Burry, Justine H. Altiné, Dr. Rudolf Henri Boulos, Dr. Francesca Frankie Boulos, Dr. Michel Sterling, Jean-Richard Sterling, Pierre D. Edugène et la P. Edugène, Vanessa Paul Pierre, David Pierre, Christopher Pierre, Jean-Marie Joseph, Caroline D'Alembert Altiné, Jensen Chanoine, Dr. Réginald Pierre Boulos, Josette Latortue Altiné, Jonathan Phil. Mes actions de grâce commandées par Edmond Valérie et Fabrice Emmanuel Louis, Hélène Soivillien, Elmi Rosier et famille, Imali Saint-Louis, Emila Valson, Emmanuel Henri, Claude Laforest, Eric et Valérie Adjor Lolo, Esther Hippolyte Dédé, ses enfants et petits-enfants, Étienne François Bienné, Evelyne Forival, Fabienne Éveilleur, Adonis.
Mes actions de grâce commandées par Fabienne Fong, Fadine Blanchard, famille Albert Bouni, Calisto, Cario, Crisson, Descaillettes et Perraudin, famille de Varennes, famille Domont, famille Duprat, famille Grégoire, famille Mélin, famille Prévost, famille Rénol et Lucienne Tassi, actions de grâce à Sainte-Rita, famille Roy et Clément, famille Thérèse de la Fuente, Fils Corse, Francina Léazer, Francia Vanessa Clermont, Ghislaine Deluxe, Gina et Michel Racine, Gladys Scholl, Guy Antoine Nordeus, Guy Jeudi, Antralé Saint-Louis et Rachel Dubreuil, Hervé Dominique, Michel Olivier et Aurélie Midi, Ismaël Isbeck, Isana Pierre, Jasmine Dédé, Jean B. Schrazer, Jean-Joseph Richcor Gattero, Jessica Andalusman, Jimmy et Sophia Yassin, Joanne Coriolan, Jonathan Victor et Valérie Catherine Louis, Joselle Dominique, Joselle Pampan, Junide Pampan, Kaina Taina et Joël Colo. Mes actions de grâce sont commandées par Cana Suc Restaurant, Keila Marni Louis, Kenel Richard, Kerline Joseph, Kinder Garden La Ruche de Juliana et son personnel, Le Coin de Domi et son personnel, Liana Sindor, Lia Moïse, Liliane Chirazer et Laris, Lyota Saint-Pierre, Ludrig Joss, Louise Saint-Germain, Louise Mène Dominique et famille, Lourdes Amet Michel Pierre, Magdalène Germain, Magali Samedi et famille, Maggie Borneau Innocent et famille, Marbella Basile, Marc Nathan Pierre, Margaret Etienne et sa fille, Margarita Cyprien, Maria Gossin, Marie-André Scholl, Marie-André Laurent, Marie-Carmel Jean-Joseph et famille, Marie-Carmel Rondé et famille, Marie-Carmel Deshommes, Marie-Carmen Eugène, Marie-Claude Innocent, Marie Desrosiers et famille, Marie-France Lafortune, Marie-Gladys Romulus et famille, Marie-Jacqueline Balampard-Dovani, Marie-Jo Colo et famille. Mes actions de grâce sont commandées par Marie-Ligondé et Ricky Ligondé, Marie-Laude Viltus-Louis, Marie-Lucie Désir, Marie-Thérèse Scholl, Marie-Yves Barthélémy et famille, Marie-Yves Paul, action de grâce à Notre-Dame de l'Immaculée Conception d'Aparicida, Mariette L. Point et Philippe d'Autriche et enfants, Marina Dalis, Marissa David, Marlita Antoine et famille, Marcin Fernand, Martha Aubourg, Morvigna Scholl, Marise Bateau et enfants, Mathilde Duperville, Marvia Jean Lamour, Nierceline Emma, Micheline Thomas, Milanise Jeune, Mimose Mérosier, Pierre-Louis, Mireille Alexandre, Madame Nicole Alcimé et famille, Madame Nicole Telson, Madame Sagine Toussaint et famille, Monsieur Adrien Herman, Monsieur Madame Chélabor Jola Hippolyte, Monsieur Madame Jean-Bertin Maxeus, Monsieur Madame Mérantia Mété Antoine et famille et enfants, Myriam Vieux et famille, Myrto Paul et famille, Nadia Paul et famille, Nétien Dimanche, Natacha Bourguignon, Nathalie Basile. Mes actions de grâce comme départ Nativité en Saint-Louis, Nick François Gaugue, Nixon Bourguignon, Octave et Kathleen Dorissant et enfants, Olani, Angèle Orinel, Pascal Leslie Hilaris, Patrick Jean-Louis, Patrick Nacha Naïcha, Patricia Pierre, Paulette Exumé, Réveillant Pierre Frendi Petit-Homme, Petit-Maman Marie et son staff, Peter d'Orléans, Pierre-Louis Jean-Franc, Ralph Joseph, Rosevoir Révolu et famille, Réginald Gaël, Régine Jean-Louis Delimo et famille, René Innocent, Réveillant Pierre Amazon Ricardo, Robertine Corvin-Chard et famille, Rodney Elibert Junior, René de Pierre Bien-Aimé, Sarah Marie Cox, Charlie Desunoué et sa fille, FXSL Lamane du Ciel, Sheila Guillaume et famille, Stéphane Moïse, Suzy Bourguignon, Tabitha Gabriel Joseph, Thérèse Edouine Daniel, Thérèse Jeudi, petit frère, Thérèse Marie-Ketli et Jean Berlin Maxeus, Tonton Spice Entreprise, Vanessa Roy-Jean, Vélandor. Mes actions de grâce commandées par Victor Richland, Victoria Racine, Viviane Clerville et enfants, Whitney Beauvoir, Yorin Nogaïs, Yvan Philippe Charleston, Yves-Pierre Roméus, Yvon-Carl Chirazer, Rosemary Etienne, Rose Katia Jean-Baptiste, Madame Ketli Élisée, Famille Paul, Sabrina Edouard, Christelle Cassandra, Stéphanie et sa fille, Anne-Chouani Jodly Charléus, Lourdi Duvers-Singan, Marjorie Denis, Gérald Gustave, Gladys Cadet, Marjorie Laurent Genois, Alex Beauchamp, Pierre Richard Vallès, David Marc Eliassin, Jean Sinley, Glary Jolicoeur, Medli Faustin et famille, Alice Polo, action de grâce à Notre-Dame de Lourdes, Bianca Mérisier, Véli Joseph, Marie Mélisnan Rognac et famille, Luchel Sylvain, Royette Anthony Ducbo, Aris Batol, Philomène Pelage et famille, Jérémy Michel, Immaculé. Mes actions de grâce sont commandées par Alex Jean, la famille Orchelus, Jefferson Paul, Katrina Paul, Carissa Paul, Myrlande Séraphin, Canasuc Cuisine, Monet Duplan, Villebrun Randall, Alex François, Saradi Amparo, Junior Eddie Bonhomme et William Billy, Judith Caillot, Erline Pavelus, Kinsley Jean-Faubert, Françoise Joachin, Josette André et famille, Thérèse et Guy Jeudi, Hans Petit Frère, Bertine Gracius, Destiny Lafontaine, Marie-Peggy André Nogaïs, Marjorie Théus, Nadia Paul et famille, Villebrun Randall Azor, Destiny Lafontaine, Betty Fenestor,
Côté Solange Azaël Jérôme, Marie-Ange Ledin, École Les Aventuriers de Vladimir Ouverture, Raymond Eswin Angelo, Brenda Valdivia Baptiste et Valentino Baptiste. Merci et bonne participation à la messe. Merci ma sœur, à vous de même.
Ou qu'on disons nous, maman chérie. 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 Mon Seigneur, de mon théodule, chers internautes, sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Bonjour, ma sœur. Bienvenue à notre célébration eucharistique en ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. À plusieurs reprises, Jésus a annoncé à ses disciples sa mort sur la croix. Pourtant, ces derniers n'ont rien compris, en témoigne la réaction des fils de Zébédée dans l'évangile du jour. En Jésus, Dieu vient vers nous par amour. Et si Jésus est conduit vers la mort sur la croix, c'est parce qu'il a suivi le chemin de l'amour et du don de soi. Aujourd'hui, il nous dit, « Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. » Engageons-nous donc sur la voie du service et du don de soi. Rassemblés autour du Fils de Dieu, le grand prêtre par excellence, avançons avec pleine assurance vers Dieu qui, à chaque Eucharistie, nous offre son amour et son secours. Bonne célébration. Thank you.
alors tu peux me répondre. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Sois mon abri, protège-moi. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce 29e dimanche du temps ordinaire, le Seigneur nous fait signe. Le Seigneur nous convoque et il nous appelle à venir à sa rencontre. Pour pouvoir mieux le rencontrer et entrer dans son intimité et vivre un moment de grâce avec lui, nous voulons prendre le temps de nous incliner devant Dieu pour nous reconnaître pauvres et petits, pour reconnaître nos défaillances, reconnaître nos pauvretés humaines et en même temps accueillir son pardon. Avec un cœur contrit et un cœur bien disposé, disons ensemble, je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant en amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous ressuscite pour la vie éternelle. Amen. Pitié de nous.
célébrons cette messe en action de grâce pour ceux et celles qui célèbrent un nouveau printemps dans leur vie. Nous voulons mentionner Albertini Renaud, Atlas Hénaud, Casimir Charles, Chilmarc Casséus, Coralie Saint-Ilien, Jenny Christian Mionbel Valls, École Kindergarten La Colombe, Elena Hercule, Étienne Céloni, Jordani Joseph, Hippolyte Gracia, Jacques Jean-Charles, Jassio Jérôme, Jasmine Élise Petit-Homme, Jean-Gérard Surpris, Jean-Gève Dupont, Jean-Jacques Henry, Jean-Aubnel Catul, Jean-Fénol Morlan, Jean-Raymond Ferjuste, Jean-Raymond Ferjuste, Émilie Miran, Joanne Peltrou, Jocelyne Charles, Ludovic Edmond, Lynn Houston, Marie-Ginette Larieux, Marie-Louis Saint, Marie-Sœur Bonipierre, Marjorie Denis, Marjorie Théus, Michel Jean-Michel, Michaud Desroches, Madame Mirlande Benel-Jean, Myrta Louis-Charles, Nancy Grégoire, Neftali Jean-Paul, Patrick Euphorie, Peterson Rochefort, Fénol Morlan, Pierre Piram, Renaud Fabre, Révérend Père Louis-Jean Jean-Pierre Sander, Romero Volsi, Sarah-Claire Bélisère, Sébastien Gagneron, Sébastien Morino-Gilles, Tatiana Tony, Valène Richie-Thézé, Victoria Pompé, Vladimir Jackson, Yves-Pierre Roméus, Yvette Petitfleur, Yves-Rose Guerrier. Nous offrons cette messe en action de grâce aussi pour le révérend père Franzi Petit-Homme, petite maman Marie, maître Danton Léger, Clomichka Pierre Toussaint, Sonia Lolia et Micheline Godefroy, Arsène et Daphné Miceus, Madame Myriam Blanchard, Révérend Père Émile Cyprien, Révérend Père Mike Petit-Homme, Révérend Père Claudie Duclerville, Marie-Chantal Larose, Yves-Rose Saint-Louis, Sarami Jane Franck. Et en même temps, nous offrons cette messe comme messe de requiem pour Lucrèce Métellus Laroche. Nous offrons cette messe en action de grâce pour ceux et celles qui célèbrent encore un nouveau printemps dans leurs divers groupes de Petite Maman Marie, Marie-Fleurette Bastien, Joséphine Alphonse, Maviard Jean Lamour, Marie-Yves Barthélemy, Fritz Gérard André, Ariel Jean-Baptiste. Cette messe, nous l'offrons en action de grâce pour Jocelyne et Raoul Bien-Aimé, qui célèbrent leur 47e anniversaire de mariage, pour Olivier, Rigal et Elisabeth. Cette messe, nous l'offrons aussi pour le repos de l'âme de Marie-Thérèse Creed, Fritz Gérald Bertrand, Ralph Alexis, Gérald Romain, Gerde Bélisère, Pierre-Marie Victor, Pierre Wilson Jean-Baptiste, Philippe Doura, Elena Tintin, Émile Guillaume et Alex Elien. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
C'est souvent à travers la souffrance que des hommes parviennent à la lumière. Jésus, le serviteur de Dieu, de lui-même va à la rencontre de l'épreuve pour sauver la multitude et la délivrer de la mort. Et parce qu'il a connu l'épreuve comme nous, Jésus ressuscité nous ouvre le chemin vers Dieu. Soyons attentifs à ces lectures, tirées du livre d'Isaïe au chapitre 53, les versets 10 et 11, du psaume 32 et de la lettre aux Hébreux au chapitre 4, du verset 14 au verset 16. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance, il prolongera ses jours. Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. À cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comblé. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs péchés. Parole du Seigneur. Espoir est en toi.
nous gagnons prêtre en chef qui entre dans le ciel là. Jésus, petit bon Dieu, c'est pour nous rester ferme dans la déclaration la foi nous. C'est que nous pas gagnons prêtre qui pas capable sensible pour nous dans faiblesse nous yo. Yo t'ai essayé dans toute bagaille même gens avec nous sauf dans péché ya. Comme ça, c'est pour nous procher à confiance côte fauteuil faveur pour nous joindre cœur sensible pour nous joindre faveur dans secou la bonne nous les nos besoins. Parole grand maître là. Merci bon Dieu, merci. En campé pour acclamer parole grand maître là. Et donner sa vie en rançon pour la multitude. Avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon ses morts. Gloire à toi, Seigneur. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent: Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. Il leur dit: Que voudriez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondent: Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans la gloire. Jésus leur dit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire et recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? Il lui disait: Nous le pouvons. Il répond: La coupe que je vais boire, vous y boirez. Et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées. Les 10 autres avaient entendu et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit: Vous savez, vous le savez, ce que l'on regarde comme chef des nations païennes commande en maître. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon
pour la multitude. Par notre chant joyeux, acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, nous avons la joie de nous retrouver ce matin en ce 29e dimanche du temps ordinaire pour ensemble écouter la parole de Dieu, méditer cette parole, vivre de cette parole et en même temps prendre le soin de chaque jour revenir, ruminer cette parole, revenir sur cette parole pour pouvoir la faire passer dans notre existence, la faire passer dans notre quotidien. La première lecture de ce matin est extraite du livre du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe s'adresse à un peuple déporté, vers une terre étrangère. Et nous capables de comprendre un peuple qui déporté, qui passe au bout de Teli, qui vive sur une terre étrangère, ce peuple est en train de vivre une certaine désespérance, un certain découragement. Voilà pourquoi le prophète Isaïe fait comprendre à ce peuple que sa libération ne saurait venir d'un guerrier de puissance militaire, mais sa libération ne peut venir que d'un homme capable de bouleverser le cœur de l'homme en l'arrachant de ses illusions, transformer le cœur de l'homme en l'arrachant de ses ambitions. Et en ce sens, déjà, prophète Isaïe t'a fait allusion à Sanlipadil, nommément, il t'a fait allusion au Messie et au Fils de Dieu qui lui-même t'est doué vini pour lui capable libérer peuple, bon Dieu, lui-même qui t'a vini pour lui capable casser toute chaîne qui marrait peuple ça, toute corde de cave qui entravait peuple ça, tout ça qui t'a empêché de vivre comme peuple et empêché que les gagnent libération. Ce texte donc du prophète Isaïe veut être un message d'espérance pour le peuple déporté, mais se veut aussi un message d'espérance pour nous aujourd'hui, nous qui vivons une situation de détresse, une situation de désenchantement au niveau de notre société. Le prophète Isaïe nous fait comprendre déjà que le salut promis par Dieu ne s'obtient pas à force de ses poignets, mais c'est Dieu qui donne le salut, c'est Dieu qui nous fait grâce. Il nous dit que Dieu n'abandonne jamais son peuple, que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, car comme une mère pleine de tendresse pour son enfant, aussi est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est un cœur plein de tendresse, un cœur plein de compassion, plein de mansuétude pour son peuple. Le prophète donc parle d'un serviteur qui justifiera les multitudes. Et ce serviteur, ce n'est autre que le serviteur souffrant dont parle largement le prophète Isaïe. Et ce serviteur souffrant qui, dans le Nouveau Testament, va venir pour libérer son peuple, pour
prendre sur ses épaules les souffrances de son peuple. Ce poème, frères et sœurs, du serviteur souffrant, Jésus l'a donc fait sien. Il a vu le programme de sa mission rédemptrice. Et aujourd'hui, le Christ veut nous associer tous à cette mission. C'est la mission libératrice, cette mission rédemptrice. Il nous envoie vers les autres. Il nous envoie en particulier vers ceux et celles qui souffrent, vers ceux et celles qui sont douloureusement éprouvés par la maladie, qui sont éprouvés par la souffrance, ceux et celles qui connaissent l'exclusion dans leur vie. Le Christ nous envoie vers ces catégories que l'on pourrait appeler les défavorisés, les laissés pour compte, les gens malheureux, les gens cassés, les gens infortunés. Alors, le Christ nous invite à aller vers ces catégories-là par des visites, par des gestes d'accueil, des gestes de partage, des gestes d'amitié. Aller vers celui-là qui n'a plus du tout le moral, celui qui se sent désemparé, déconcerté, celui qui souffre. Ce serait à ce moment-là une manière de participer à la mission du Christ serviteur, en allant vers ceux qui ont besoin de nous, vers ceux qui ont besoin de notre soutien et qui ont besoin de nos gestes d'amitié et de nos gestes de solidarité. La lettre aux Hébreux nous montre le Christ. Il est le grand prêtre. Le grand prêtre, le prêtre par excellence, si vous voulez, le seul prêtre. Alors, un grand prêtre qui ne se laisse pas gonfler par son titre de grand prêtre, un grand prêtre qui n'est pas chargé d'orgueil, un grand prêtre qui n'est pas guindé, mais un grand prêtre qui accepte de partager nos épreuves, un grand prêtre qui vit nos souffrances et qui vient offrir sa vie en rançon pour la multitude, en rançon pour la libération de ceux qui sont éprouvés. Il est celui qui nous fait grâce et il est celui qui nous obtient miséricorde. Du haut du gibet de la croix, il nous obtient le pardon, il nous obtient la miséricorde. Il intercède pour nous, il intercède pour notre salut. Par conséquent, nous sommes tous chrétiens appelés à participer au sacerdoce du Christ. Certains par le sacerdoce commun des fidèles, que nous appelons le sacerdoce baptismal, ou encore d'autres par le sacerdoce ministériel. Tous, nous avons été baptisés et nous avons été faits rois, prêtres, rois et prophètes. Donc, nous sommes tous appelés à exercer ce ministère sacerdotal. Notre mission, comme le Christ, c'est de faire miséricorde. Notre mission, c'est de pardonner. Notre mission, à la manière du Christ, c'est d'accueillir ceux et celles que le Seigneur met sur notre route. Et surtout, nous ne devons pas manquer à exercer ce ministère que le Christ nous confie, que le Christ confie à chacun et à chacune de vous. Aller vers les périphéries pour accueillir ceux qui sont blessés, ceux qui sont cassés, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont abandonnés et leur donner du goût de vivre et leur donner le goût de l'espérance. Alors, dans le passage de l'Évangile de ce matin, frères et sœurs, malgré tout ça que Christ
li bay patizan li yo et malgré tout ça que li ban nou nous-mêmes tout comme bagage pour nous capables réaliser mission que li confie nous comme prêtre, comme roi et comme prophète. Nous avons souvent la tendance de revenir en arrière. Eh bien, dans le passage de l'Évangile, je vous dis hein, que nous sommes écoutés, nous voyons que gagnons question qui abordait la donne, c'est ce qu'on appelle la question du pouvoir. Dans notre vie, dans notre monde, dans notre société, frères et sœurs bien-aimés, ils sont nombreux ceux qui cherchent les bonnes places, ceux qui aiment bien se positionner, ceux qui cherchent les bonnes places, les bonnes positions dans la profession ou bien dans la politique nationale ou même internationale. Alors souvent, ça conduit à ce que l'on pourrait appeler une société fondée sur la lutte du pouvoir, la lutte pour le pouvoir, les querelles de chapelle et même aussi ce qu'on pourrait appeler les coups bas, les dénonciations, des rapports de force. Et tout cela ne peut entraîner que violence et injustice telles que nous le voyons dans notre société. Dans notre petite Haïti, les querelles, les violences, les injustices, si nous voulons, la lutte pour le pouvoir, les coups bas et les dénonciations, pour qui ça? Pour pouvoir. Alors, ça me fait penser à ce qu'un professeur nous disait quand j'étais en théologie. Il disait que le pouvoir, il est diabolique, il est satanique, et il est démoniaque. Oui, trois mots pour dire la même chose. Que le pouvoir, il est satanique. Le pouvoir, généralement, est démoniaque. Le pouvoir est diabolique. Surtout quand on cherche le pouvoir pour le pouvoir, quand on cherche le pouvoir pour pouvoir s'enrichir au détriment des autres, quand on cherche le pouvoir pour exercer, je dirais, sa force ou sa domination sur les autres, quand on cherche le pouvoir pour se mettre, je dirais, pour se donner en vedettariat, quand on cherche le pouvoir pour exercer ce que l'on pourrait appeler un certain matu vu. Le monde a cherché pouvoir pour être capable de mettre tête li en exergue, mais pas pour lui véritablement remplir la fonction de servir. Eh bien, le pouvoir tel que conçu par Jésus, c'est un pouvoir qui est appelé à servir. Un pouvoir qui doit se mettre au service des autres. Un pouvoir qui doit partir à la recherche des démunis, des petits, des pauvres, et qui doit être exercé pour aider les autres, ceux qui sont généralement rejetés, pour capables de faire espérer à un lendemain meilleur. Alors, dans le passage de l'Évangile matin, nous remarquons comment les deux disciples de Jésus, Jacques et Jean, que l'on appelle généralement les fils de Zébédée, ils approchaient par côté Jésus avec astuce, bien sûr, pour demander Jésus pour que li rende yo service. Et astuce que yo mette, yo mande Jésus tout d'abord pour que li di yo s'il est prêt pour li répondre yo et s'il est prêt pour li faire yo cadeau ça yo pral mande là. Et Jésus mande yo pour poser question yo hein? Et qui question yo gen audace pour poser Jésus, maître, donnez-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Il n'y a pas posé de Jésus question pour demander, pour lui montrer comment, pour exercer service,
s'il a annoncé bonne nouvelle là, et le service de la prise en charge des petits et des pauvres, de ceux qui ont besoin de leur accueil et qui ont besoin de leur service, mais ils viennent demander à Jésus que Jésus leur donne de pouvoir siéger et de pouvoir s'asseoir à sa droite et à sa gauche, comme si c'était eux-mêmes seuls qui étaient gagnés. Ils ont deux frères, mais ils viennent pour eux deux pour occuper belle fonction, belle place, place premier ministre, si nous voulons, dans le pouvoir, dans la gloire. Alors Jésus répondit pour lui dire, vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez voir la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? Ils lui dirent, nous le pouvons. Tellement envie pour voir, tellement besoin pour voir, emparer et accaparer, ils n'ont pas pris le temps pour bien peser et comprendre. Ça, Jésus dit, ils répondent, bon enfant, nous le pouvons. Jésus leur dit, la coupe que je vais boire, vous la boirez et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Oui, nous capables de passer par souffrance là. Mais quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé. Alors, voilà ce que l'on appelle l'ambi-pouvoir, gros tenta, rien pouvoir. Et c'est un sentiment qui habite beaucoup d'hommes et de femmes sous face de ça. Et si on ne fait pas attention, même l'ambi ça, même démon ça, même tentation ça, capable d'habiter ni moi-même, ni vous-même, parce que en chacun de nous, il y a un petit pharisien qui sommeille. Un petit pharisien qui l'a, n'en font que chaque monde qui a cherché pour lui gonfler l'école, qui a cherché paraître. Un petit pharisien qui rempli d'orgueil, rempli d'esprit de supériorité, rempli de fanfaronnerie qui habitait et qui a cherché paraître, qui besoin paraître. Ce sentiment qui habitait le cœur de ces deux disciples, pour être capable de paraître, il y a besoin pour siéger bon côté Jésus, il y en a à droite, il y en a à gauche. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage d'Évangile, frères et sœurs bien-aimés, c'est que les autres disciples s'indignent contre ceux qui ont voulu se pousser jusqu'à demander à Jésus pour jouer une place. Ils ont même tout, ils ont été indignés. Pourquoi, par exemple, ils ont été indignés à ce niveau? Parce que peut-être eux aussi aspiraient à occuper ce poste dans la gloire. Eux aussi avaient peut-être cette idée de solliciter ce poste de la part de Jésus, ou bien aussi parce que dans le cœur, ils pensaient un jour ou l'autre, Jésus pouvait faire appel à eux pour exercer, je dirais, cette fonction, pour occuper cette place, pour au même tout, ils étaient capables de pouvoir, pour au même tout, ils étaient capables de chita dans la gloire, pour y diriger, pour y commander. Alors, donc, comme je le disais déjà, c'est une tentation qui peut habiter le cœur de tout un chacun. Alors, Jésus dénonce dans ce passage de l'Évangile, si vous voulez, de façon claire et nette, il dénonce les rapports de force et de supériorité qui généralement habitaient dans le monde. Le pouvoir comme écrasement des autres, Jésus le dénonce. Et ce pouvoir ne doit pas avoir sa place parmi les disciples, comme aussi
cette idée de pouvoir comme écrasement des autres, comme exercice, je dirais, pour pouvoir se mettre en exergue, eh bien, ce désir de pouvoir ne doit pas habiter le cœur du disciple et ne doit pas avoir sa place dans le cœur du disciple, comme ce désir ne doit pas avoir sa place dans le cœur du chrétien et dans le cœur du prêtre que je suis, parce que l'exercice du pouvoir n'est autre qu'un service, servir. C'est pourquoi généralement on parle de certaines fonctions comme étant un sacerdoce. Le ministère que l'on réalise et que l'on accomplit au milieu des gens dans la société, on appelle souvent un sacerdoce. Ça veut dire un service, se mettre au service des autres. Donc, le sentiment ou bien le désir du pouvoir comme écrasement des autres, comme intention pour capable enrichir ou bien encore pour capable exercer la force sur les autres, il est ça, li pa doué habiter le cœur du chrétien, li pa doué habiter le cœur du disciple de Jésus-Christ. Le haut toi que je m'y mette, que nous habitués dans la société noire, li pa doué nourrir dans cœur disciple, retirer le sous chaise là pour moi-même, moi capable occuper chaise là, pas parce que moi voulais à le servir, mais parce que moi voulais là pour moi-même tout, moi capable profiter de la situation du peuple pour me capable exploiter, pour me capable chercher profit pour moi et ma famille. Le ce désir, cette envie, eh bien, il n'est pas doué habiter la caille disciple. Sur le chemin de Jérusalem, Jésus a beau répéter l'avertissement qu'il donnait dès le départ à ses disciples, mais malheureusement, ils n'ont pas toujours comprendre ça. Jésus, il voulait faire comprendre que ils doivent accepter souffrir et même accepter mourir et accepter bailler la vie si toutefois ils sont de vrais disciples et si toutefois ils voulaient mettre dans le service Christ là, dans le service annoncer bonne nouvelle là, dans le service moun ki pipiti yo. Frères et sœurs bien-aimés, la gloire du Christ se manifestera sur la croix. À sa droite et à sa gauche, nous trouverons deux bandits. Et la coupe qu'il boira sera celle de sa passion qui l'introduira dans le royaume. Là, toutes les relations seront transformées et chacun y découvrira sa place, la place que le Seigneur lui réserve, et cette place, ce n'est qu'un don de Dieu. C'est ainsi que Jésus a aboli la loi du plus fort. Il l'a remplacée par celle du service. C'est une donc conversion à laquelle Jésus nous appelle, une conversion de tous les jours, une conversion pour que nous soyons capables de renoncer à l'envie du pouvoir, mais pour nous capables plutôt mettez nous dans service l'autre et accueillir l'autre et servir. Alors frères et sœurs bien-aimés, ça que matin nous besoin dites nous c'est que même gens avec l'autre disciple, nous pas doué montrer nous ambitieux ni envieux vis-à-vis de ce que l'autre monde capable gagner, ce que l'autre monde capable posséder. Même lorsque monsieur fils petit Zébédéo yo pas de joindre ça yo mandé mais l'autre te gen tan a pé indigné et au même tout yo te laissé yo ta capable di habiter par un sentiment déjà d'envie et un sentiment de jalousie, ce qui aussi constitue les sept péchés capitaux, l'envie. Par exemple, lorsque ou même ou envier un monde pour ça que il gagne, pour ça que il possède, ça ne doit pas être un comportement du chrétien. Le chrétien
doit se départir des mentalités et comportements mondains, dénonce Jésus. Il va ainsi en politique ou dans les organisations de toute société. Il faut des compétences, il faut des talents, il faut, des capacités pour pouvoir exercer et remplir certaines fonctions, mais ça ne doit pas nous conduire à envier le poste de l'autre parce que ce n'est pas moins occupé. Et ce n'est pas normal non plus que yon moun, particulièrement yon chrétien, pour ne pas quitter ni ambition, ni vanité, ni le goût des apparences, ni le goût des médailles ou encore des titres, ni la cupidité, t'a capable de gagner place dans la ville et pour ta vie tourner des mobiles d'une force extraordinaire. Donc ça nous besoin, c'est seulement les moyens pour nous capables de survivre et surtout chercher à exercer et à mettre en exergue, en évidence, les capacités que le Seigneur dépose en nous, que le Seigneur nous donne, mais pas pour chercher les vaines gloires, ni pour courir après les titres, ni pour se prévaloir du titre de chef, parce que ce n'est pas ça qui fait nous s'annouiller. Souvent, nous remarquons en pile monde, il y aurait un titre de chef, il y aurait aimé exercer le chef, il y aurait aimé faire la chefferie dans le côté soit dans la famille, soit dans les institutions, soit dans l'administration. Il y a des gens qui aiment exercer le chef, faire le chef, mais pourtant, ils n'ont pas la compétence, ni la compétence professionnelle, ni la compétence sociale pour y exercer fonction ça, pour l'exercer post-chef ça, mais il remet dit, il c'est chef, il remet faire le chef, et lorsque l'a montré tête li. Pourquoi? Parce que il pensait c'est le ça, il existait la valeur d'une personne. Et on le dit en psychologie, la valeur d'une personne ne se mesure pas à l'aune des titres. La valeur d'une personne ne se mesure pas à l'aune du pouvoir que la personne exerce dans la société, ni cette valeur ne se mesure pas à l'aune du titre de chef ou des médailles, mais la valeur se mesure dans la façon d'exercer son pouvoir de chef, dans la façon de réaliser le travail, de coordonner le travail, de mettre tout le monde ensemble pour pouvoir arriver à la réalisation des objectifs. La valeur, c'est une affaire intrinsèque. Donc, la valeur d'une personne n'est pas extrinsèque à elle-même, mais elle est intrinsèque. Ça veut dire ce qui me fait ce que je suis, la valeur que je porte en moi-même ne dépend pas de mon titre, ni de ce que je peux avoir comme bijou ou bien encore comme paillette qui sous moi, mais c'est parce que je suis ce que je suis, celui que je suis, que je peux appeler à exercer un titre ou une fonction quelconque dans la société, mais ce n'est pas parce que moi gagne un titre, valeur qui extrinsèque à moi-même, que ma pralvine s'amier à non. Alors, il faut voir le poste de chef d'une autre façon, exercer nos responsabilités, ce que l'on nous confie comme tâche et comme charge, exercer-le à partir d'une certaine humilité, et c'est à partir de cette humilité qu'on va pouvoir avoir la possibilité et les largesses pour réaliser tâche ça. Alors, dans l'Église, comme dans la société, frères et sœurs bien-aimés, nous avons besoin de sortir de ce sentiment d'exercer, de rechercher les titres ou encore de rechercher les charges et dans la communauté, non pas pour être au service des gens, mais pour pouvoir se prévaloir du titre de chef. Nous besoin, nous-mêmes, chrétiens, bâiller un autre modèle, un autre exemple, et nous pas douer
a couru des titres chef sayo ni non plus pour nous a chercher bagarrer dans une communauté pour nous capable exercer ce que l'on appelle les luttes d'influence. Pour finir, frères et sœurs bien-aimés, à l'occasion de la journée mondiale missionnaire, le pape François nous rappelle que l'Évangile doit être annoncé à tous les peuples, en particulier à ceux qui ne l'ont jamais encore entendu. Et le pape François nous appelle, nous chrétiens, à être des êtres lumineux, c'est-à-dire des personnes qui peuvent servir d'exemple pour les autres, des êtres lumineux parce que là où nous sommes placés, on nous observe. Et parce qu'on nous observe, nous devons être des modèles pour les autres, nous devons être des exemples pour les autres et nous devons chercher à faire tout ce qui est de notre possible pour être effectivement un être lumineux, un être transparent, un être qui invite les autres à vouloir s'engager dans la mission du Christ, à s'engager dans le travail d'annoncer la bonne nouvelle. Le Christ nous envoie et il nous dit « Allez sur les places, allez sur les parvis, là où sont installés les délaissés, les personnes blessées, les personnes cassées, les personnes qui sont méprisées, rejetées. Allez sur les places et sur les parvis, allez à la recherche de tout cela. Ils sont mes amis, ils sont mes enfants, des enfants de lumière, mais qui vivent dans la nuit, dans la pauvreté. Allez, allez à la recherche de ces personnes-là. Soyez pour eux des êtres lumineux, soyez pour eux des êtres transparents, soyez pour ces personnes-là des témoins. Que le Seigneur nous aide donc, par sa grâce et par sa bénédiction, à devenir et à être vraiment des êtres lumineux et à être vraiment des êtres transparents et à être des témoins de l'Évangile. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, je vous invite maintenant à vous lever pour ensemble professer notre credo. Nous prenons le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils,
Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, tandis que nous nous préparons pour attendre l'avènement du règne de Dieu, pour attendre le retour du Christ dans sa gloire, nous implorons sa miséricorde pour qu'il nous apporte le salut et apporte le salut au monde d'aujourd'hui, au monde entier. Pour les responsables de l'Église, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, qu'à l'instar de Jésus, ils suivent jusqu'au bout le chemin de l'amour et du don de soi. Seigneur, écoute nos prières. Pour les dirigeants du monde entier, spécialement ceux de notre cher Haïti, que l'Esprit Saint leur donne la sagesse et le discernement nécessaires pour servir avec zèle et détermination leurs populations respectives. Seigneur, écoute notre prière. Tous ceux qui souffrent, les malades, les abandonnés, les prisonniers, les réfugiés, les démunis, particulièrement les victimes de l'insécurité, qu'ils trouvent un sens à leur vie en contemplant Jésus sur la croix. Seigneur, écoute notre prière. Papa, non qui sont si
rassemblés, pour ceux et celles qui n'ont pas pu nous rejoindre, que nous soyons, par notre comportement et nos actions, un modèle vivant de service et de don de soi. Seigneur, écoute notre prière. Papa, nous qui sommes si loin, où tes prières nous y ont fait tourner, baptisant dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit. Tant pris, grand-mère, fais-le gagner la foi solide, puis ne pas jamais décourager à continuer à mettre espoir dans Jésus-Christ, sauveur noir qui te vient prendre même forme avec nous et qui te fait nous comprendre souffrance les hommes à travers le mystère de la croix. Ensemble, en nous la prière. Qui sont si beaux. Seigneur, nous te prions pour tous les pays du monde secoués par la violence, spécialement violences économiques, violences liées aux attentats et actes de kidnapping qui détruisent notre pays, Haïti. Seigneur, faites que tes enfants se donnent la main comme des frères et sœurs, que la justice, la paix, l'amour triomphent sur la violence. Que le pardon triomphe sur la haine, que les dirigeants aient le souci de protéger la dignité des plus fragiles et qu'ils se mettent au service de nos frères et sœurs. Prions le Seigneur. Papa, nous qui sommes si beaux, pour tes prières. Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu de tous les siècles. Tu n'avais pas oublié ni abandonné Israël dans le désert et l'esclavage. C'est pourquoi nous te demandons prosterner devant toi d'avoir pitié des Haïtiens partout où ils se trouvent dans cette crise qui ne fait que gâcher l'avenir des jeunes et des enfants. Mets dans leur cœur l'amour, l'esprit de réconciliation et de paix. Qu'ils pratiquent le pardon, l'esprit de tolérance, tout en plaçant leur confiance en toi. Ensemble, prions le Seigneur. Papa, non que sensible, écoutez, priez, nous y en. Prions.
Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, notre Père, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Qu'il soit ton corps.
Ensemble, mes frères, mes sœurs, au moment de porter au Seigneur le sacrifice de toute son Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartiennent, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix. Proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie,
C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Christ l'a démouru. Alléluia. Il est bien vivant. Alléluia. Il monte dans le ciel. Alléluia. Il est pour vie chercher. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Max Leroy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et qui sont recommandés à nos prières et dont toi-même tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons en toute foi et en toute confiance prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix ». Et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, dans la joie de cette rencontre, donnez-vous un signe de paix. Thank you.
Qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour une communion spirituelle ensemble. Mon Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de toi. Amen. Thank you.
Sa vie en rançon pour la multitude. Prions encore le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas. Et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
pouvez vous asseoir quelques instants pour quelques annonces. Frem, Axemio, bonjour. Moi, souhaiter que semaine n'a pas agréable pour nous toutes, malgré toutes difficultés nous connaissons dans le pays. Nous disons merci à Monseigneur Théodule Domon qui t'a accepté de la prière ensemble avec nous aujourd'hui. Merci pour sagesse, merci pour disponibilité et merci surtout pour le bel travail que l'on a réalisé au niveau de l'hôpital Saint-François de Sales. Un hôpital qui est belle, qui est propre, qui est accueillant, qui bail bon service. Et si nous avons menti, n'importe qui nous gagne qui est malade, menen, c'est François de Sales et puis Nadim Zanoué. Merci, Monseigneur Domon, pour tout soyez pour l'Église là. Nous disons merci à Radio Télé Caraïbes, Radio Télé Pacifique. Merci pour support que vous avez paroisse là, dans la diffusion messieurs qui permettent que le monde entier capable de garder messa, non seulement sur deux chaînes Sayo, mais également sur canal SAT 302, sur canal SAT 305. Et merci à Radio Télé Petite Marie, tout journaliste, yo, tout technicien, yo, tout jeune qui a marché tout côté pour faire tant de voix à l'église là. Merci pour le bel travail que vous avez fait. Merci pour la réalisation messa. Frem Axemio, mais annonce que nous gagnons pour semaine ça yo. Le dimanche 24 octobre, a gagné lancement synode l'église là. Synode ça, il y a fait partout à travers le monde et en Haïti, plusieurs diocèses a lancé li jeudi 24 là. Même dimanche 24 ça dans le diocèse là. Il a fait lancement dans la paroisse Saint-Pierre, Pétionville, et dans toute unité pastorale qui part dans le centre Port-au-Prince. Là. Nous invitons tout le monde, Saint-Pierre, dans la belle messe lancement. Ça. Le 1er novembre, nous avons gagné, en fait, c'est d'abord une messe d'obligation pour nous prier, commémoration de la Toussaint. Nous avons gagné dans l'église là installation yon belle statue Saint-Michel Archange en bronze que famille docteur Eddy et Irène Bruno fait paroisse la cadeau. De novembre, c'est yon obligation que lié pour que nous la prions pour défunt yo, pour mort yo. Nous invitons tout le monde, quel que soit côté où yé, depuis vous voulez, bah fait au moins yon messe et penser à mon enfant, mais au monde qui proche qui décédé déjà. Faut que nous rappeler que d'abord dans dimanche 31, n'a gagné honneur et mérite à trois prêtres. Père Oxide Jean dit Persico, Père Robert Ternier et Père Yvon Massac. Il a venu ici là dans paroisse là. N'a font belle cérémonie la messe pour dire merci pour tout effort yo fait pour force yo courage yo jeunesse yo la vie yo yo bay nan service l'église là. Donc nous toutes nous invité. Faut que nous disons que a gagné yon tridium de prière pour briser les liens négatifs ancestraux. Tridium de prière ça la fête 29, 30 et 31. Donc en prélude à fête 1er et 2 novembre et tridium ça la fête gratuitement pas gagne offrande ou bail seulement depuis on monde bail fait yon messe pour yon défunt en famille y a tout considéré non monde ça en dans tridium nan pour yo la prière pour lui. Frère Maxime nous dit merci. Merci à tout monde qui a fêté et en dans fête yo qui aidé paroisse là. On dit merci particulièrement, je dis à Marie-Yves Barthélemy, je dis à ses fêtes-là, et qui ça le fait pour fêtes-là? Il offre une belle gerbe, ça, que nous avons devant l'hôtel-là, et il aide, non, pour que je sois capable de toujours gagner un bon déjeuner chaque matin. On dit merci particulièrement pour support-là, pendant que nous dit bonne fête à tout le monde qui a fêté, je dis à. Mais rappelez-nous également pour que
Nous pas oublier que dans le mois de novembre, comme d'habitude, nous avons toujours gagné du 8 au 16 novembre, neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Nous avons gagné septaine de prière du 20 au 27, septaine de prière à l'Esprit Saint. Et le 29 et novembre, nous avons commencé, comme d'habitude, avec neuvaine à l'Immaculée Conception. Nous sommes capables de remarquer, thème n'a commencé populaire, il a passé plusieurs fois sur l'écran, thème que nous choisissons pour Anessa, c'est thème où qu'on disons-nous, maman chérie, où qu'on disons-nous, maman chérie. Donc thème ça, c'est une façon pour que nous développer et nous montrer complicité positive qui entre nous-mêmes à la Vierge Marie, pour ça nous parler et pour ça nous sûr que l'a aidé nous réaliser. Où qu'on disons-nous, maman chérie. Frère Axemio, c'est tout à nous ça yo, que nous gagnons pour semaine nak pour jusqu'à venir. Encore une fois, nous disons toutes merci pour présence nous dans l'église là et derrière télévision nous. Merci à Monseigneur Domon, merci à toute équipe technique là. Bon dimanche et très bonne semaine. Merci mon père, à vous de même. Merci mon père, et moi voulais du coup remercier en même temps Père Franzi, parce que l'été demandé pour moi venir célébrer avec nous, la prière ensemble avec nous et partager parole bon Dieu ensemble avec nous. Côté lié là, matin, moi salue et dis lui merci et moi dis nous toutes merci de ce que nous devine la prière ensemble. En nous camper qu'on y a pour nous capables de finir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je passerai ma vie et dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie et dire à tous mes frères que tu es bon. Auditeurs et téléspectateurs de la radio télé Petite Mère Marie, bonjour. Nous survivons la messe 29e dimanche dans l'ordinaire année B. Messe a été présidée par Monseigneur Théodule Domont et la messe a été animée par Nacha Gabriel Pierre et Clomishka Pierre Toussaint, accompagnée de Maestro Sonel Petitmo Stevenson. L'évangile jeudi a été sorti dans Marc 10, versets 35 à 45. Le Fils de l'homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude. Salutations avec tout le monde qui est en bas live là. Salutations spéciales à Monsieur et Madame Arsène Miseus. Salutations à Réveillant Pierre Frendi, petit homme, petite maman Marie. Salutations à Shirley Auguste. Salutations à Nancy Thomas Durosier. Salutations avec tout le groupe petite maman Marie qui à l'étranger. Salutations avec ou même fidèle paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Salutations avec Madame Marie Monatanis, Gina Dorsey, Mérantia Métayer, Edith Réjouy. Salutations à Marjorie Desius, Paulette Supplice, Jasmine Paul.
Je dis à toujours après la messe là, nous toujours besoin qu'on ait qui gens fidèles yoté vivre la messe la matin. Et matin on a commencé avec mademoiselle Adekla qui c'est une jeune qui dans comité liturgique paroisse là. Bonjour Adekla, qui gens ou te vivre la messe la matin. Bonjour Isli, bonjour tout internaute radio télé petit Marie. Bon matin c'est un très bel évangile et l'évangile matin il est capable d'apprendre tout le monde qui a un pouvoir dans main pour servir, mais pas pour autant que pour utiliser le pouvoir ça pour occuper de affaires pas yo. L'évangile matin c'est on apprendre nous tout pour nous méditer ensemble que nous gain pour nous prendre exemple sur Jésus qui était sorti sous trône et puis pour lui descendre pour lui venir bailler sang sur la croix pour capable sauver l'humanité. Merci beaucoup. Adekla, bon dimanche et bonne semaine. N'a continué sans lier madame Ivo Charles, Lisiane Forest, n'a salué Adeline Dorseus, Marie Manita Paul, Daphné Luijas, Gina Dorsey, madame Betty Desrosiers, Yvette Dorsely, Ostens Caillot, Yadli Pierre, Janine Virgile, Lisina D, Anne Caroline Dorsey. N'a continué avec madame Marie Jo qui c'est une moun nan minave et surtout qui toujours fidèle à la messe dans paroisse. Bonjour madame Marie Jo, qui j'en ou te vivre la messe ce matin? Très bien, très bien. La messe ce matin était vraiment comme si vous senti Saint-Esprit était là, vous senti tous les anges étaient là chanter avec nous et nous te recueilli nous très bien et c'est une bonne dose pour nous passer une bonne semaine à cause de tout ça qui a passé dans le pays, alors vient pour la messe le dimanche. C'est merci, ou vient dire bon Dieu, merci pour tout ça le fait pour vous, et pour toute insécurité liée par nous, ou même à toute famille ou à amis, ou vient dire ou recommencer avec lui encore, sans les mêmes, nous pas besoin de rien. Merci, madame Marie-Jo, et déjà bon dimanche et bonne semaine. Nous continuons avec mamie, qui c'est une fidèle paroisse là, et c'est un potorique dans l'église là. Bonjour mamie, qui j'en ou te vivre la messe la matin? Yes. Easy. Comment vous y êtes? Très bien, mamie. Et vous-même, qui gens ou de vivre la messe la matin? Bien, vivre la messe la rentrée dans son parole, l'évangile, là, tout bagaille, c'est très, 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 très bien. Merci, mamie. Bon dimanche et bonne semaine. Merci à tout le monde qui te prend plaisir de suivre la messe la matin. Pas oublier, après chaque messe, ou du moins, si la messe a commencé, toujours partager, lier la messe là. Toujours abonner et inviter mon abonné à Radio Télé Petite Marie. Nous souhaitons un bon dimanche et bonne semaine.